Dit tout le monde bonsoir, puis information nous va gagner pour nous développer pour après-midi dans journal ça grève syndicat chauffeur était lancé hein. Et c'est un succès dans zone métropolitaine là côté rivé respecté même deux trois côté qui était l'ouvri et dans commencement après-midi à tout côté fermé la rite blanche à presque tout côté dans capitale là avec zone aux alentours. Cependant nous capable dit et c'est mitigé dans ça qui concernait province particulière c'est une zone importante tant qu'on dans deuxième ville pays à au cap haïtien. Cependant au CAI te gagner manifestation n'a gagner pour nous plus de détails avec un correspondant dans zone tant pour Saint-Marc tout et te gagner des zones en province des poches et côté grève là te mordé mais pas tout côté. Cependant responsable syndical yo rencontré la presse côté fait dans conférence pour la presse jeudi pour faire bilan et journée grève ça qui c'est les seules journées qui étaient annoncées comme journée avertissement dans local CSH secrétaire général maintenant Jacques Anderson Dewoche avec responsable relations publiques Edner Meus demandé président Jovenel Moïse pour le temps des raisons fait bac sur la finance 2017 2018 là syndicaliste dit yo pas fait bac yo même dans ça qui concerne revendication yo yo promet pour déclencher une mobilisation manche longue dans jour qui a vinn là pour forcer président faire bac sur décision et d'après les plusieurs syndicalistes comme Carlo Napoléon Guy Vilsain qui exprimé dans occasion ça et nous pral ouais tout avec reporter nous qui genre situation terrain sous terrain dans série de zones et clé dans capitale là et côté tout et malgré autorité yo te prend toute disposition pour te casser grève là yo te dit te mettre machine gratis ti chéri la police déploie pour garantir sécurité mais en pile dans machine ça était vide et quelques bureaux l'état te l'ouvri dans zone métropolitaine n'a pas de gens qui te fréquenter yo même gens à quelques business secteur privé qui bout pour bout t'après le fermer. Cependant grève ça pas de gain impact sur passager qui parti et t'après prendre avion yo te dégager coup mettre Jean-Jacques pour te arriver dans l'aéroport, d'après ça, journalistes nous constaté. Sonapi était ouvri, mais pas de gain ouvrier. Ouvrier, c'est Dren qui devine travail, je ne le dis pas. D'après ça, nous constaté. Notre dispositif pour pouvoir te prendre, il y a un groupe jeune garçon et jeune femme qui dit qu'ils sont dans tête calée et qui était dans zone aéroport. D'ailleurs, il y a une solution tête calée. Ils ont devine camper, ils ont dit pour porter solidarité, ils ont pouvoir. Et yo fait connaître et pays a pas qu'à dans grève, yo pas de vle grève, yo t'a mobilisé pour corriger pouvoir. Justement en parlant de pouvoir et secrétaire général conseil des ministres Renal Duberis, donc on est qui en pointe dans bataille pouvoir tête calée à mener qui déjà accusé le secteur, il dit qu'il derrière manifestation qui t'est faite semaine passée et qui t'a réagi concernant grève avertissement. Et je ne jeudi à dans micro radio Kiskeya dans cadre émission spéciale nous te fait dans mi-temps journée Libéris dit que le reconnaît droit citoyen gagner pour faire grève cependant il dénoncer n'a cité menti il dit en pile secteur bail sous budget et il présenté comme un document qui pourrait permettre Jovenel Moïse réaliser campagne et promesse il te fait dans campagne il fait qu'on n'est pas fait bac l'a publié dans journal officiel le moniteur et loi financement Jean que te prévoile. Et gagné tout sénateur nord-ouest Kettler Augustin qui dénonçait une autre fois encore ça les campagnes menties le type de secteur bail sous budget et semblait que divisible et que secteur tête calé a pas arrivé renverser la vapeur parce que yo même tout yo mené campagne et pour démentir menti ça yo et selon parlementaire tête calé a dans budget ça il dit gouvernement mettait moyen pour capable mettre en application vision président mais tout gagné l'autre secteur était appuyé modèle grève là, tant que par exemple, c'est pas sénateur l'Ouest, non, président commission affaires sociales, acte travail dans le Sénat, et sénateur Antonio Cherami qui salue le peuple haïtien, peut-être respecter journée grève ça, dans une intervention qui était faite sur l'antenne radio Kiskeya, sénateur Cherami Kato, mandé pour président tende raison. Bon, côté par le porte-parole, mot pas de l'ancien député Serge Jean-Louis, féliciter population qui respectait modèle grève journée jeudi. Faut que dit président Jovenel Moïse pas dans pays on li dans New York depuis hier côté là participer dans 72e assemblée générale Nations Unies ça que considéré comme grand messe et diplomatique mondial il a dit c'est tout un chef d'état chef gouvernement qui trouvait dans New York dans ces Nations Unies en premier bien entendu Donald Trump qui je ne dis a déjà
a annoncé les couleurs, les que demandé pour Nations Unies faire réforme, et bien 130 pays qui appuient. La France tape traîne un pied, finalement la France signe un document. Et il dénonce la bureaucratie des Nations Unies qui dépense trop l'argent. C'est demain, et le président américain a bien pour le prendre et la parole. Et puis le président français a tout, tous les deux, c'est baptême de feu dans Nations Unies parce que vous faites qu'un élu. Baptême de feu tout pour le président haïtien Jovenel Moïse, et qui parlait de objectif li, de présence li, et dans Nations Unies, côté Prachita sur une série de secteurs, et pour parler de yo, c'est question de l'eau potable, logement, environnement, et puis question électricité, d'après ça le dit, et rappeler rôle Haïti dans question électricité dans Caraïbes blanc. Mais avant de partir, il dit qu'il quittait le pouvoir dans le même gouvernement, et il saluait les policiers, il dit pas prendre la provocation, dans l'occasion manifestation mardi 12 septembre, non, et l'aéroport international Toussaint Louverture, il fait connaître, gouvernement connaît, et pour pas gagner des ordres, et lui-même gouvernement n'a pas dans des ordres, il a permis l'ordre dans des ordres, et il fait dans ce sens-là, il a parlé de toutes mesures qu'il prend pour arriver et faire que les partisans pouvoir et l'autre monde qui te voulait, tu es capable de circuler. Edouard Porte à la tête qu'on a demandé au président tant de raisons. Dans ça qui concerne les questions budget, ça nous interview le Radio Kiskeya. Donc, nous avons pour nous retourner largement et sous diverses déclarations nous enregistrées dans l'occasion de journée ça et nous avons fait un coup de jetou en province et tant que dans Gonaïve, président de la Fédération Transporteur Latibonito Ezer Joseph dit satisfait de journée grève là. Et puis, Gayen tout président syndicat chauffeur et propriétaire véhicule Balatibonite Mira Augustin. Et qui dit satisfait tout de journée grève, journée jeudi. Hein? Et c'est même réaction tout pour coordonnateur, rassemblement militant conséquent, commune Saint-Marc-Ramikos, Chalienor et Thompson. Et puis, nous parlons qui j'ai en journée grève l'atelier et non et plateau central. Non, actualité internationale, non? Oui, Nations Unies pral l'ouvrir grande Mestnian, qui c'est Assemblée Générale Nations Unies. Et 72e qui a fait Adessa, côté président américain Donald Trump, imprévisible, et puis président français Emmanuel Macron, et prend baptême de feu, ensemble avec nouveau secrétaire général Nations Unies Guterres, qui fait criver dans le poste. Non. Et Trump a des réformes qui fait dans Nations Unies, et il appuie dossier et position la Chine qui appuie dans le dossier Corée du Nord là. Le président chinois et Xi Jinping d'accord avec États-Unis pour faire plus pression sur Corée du Nord. Mais président la Chine n'a Anessa pas participé dans l'Assemblée Nations Unies. Et puis pendant ce temps, ça fait qu'on dit que États-Unis a fait gros manœuvre militaire dans le ciel pays Corée du Sud. C'est ça le gouvernement sud-coréen annoncé. Grande-Bretagne a annoncé une deuxième arrestation concernant l'attaque qui était faite dans la métro-ville London. Human Rights Watch et bon côté parlement des sanctions contre l'armée birmane et contre minorité musulmane et Rohingyas qui yo et bété dehors et puis et la cour suprême dans pays Irak a bloqué référendum parti dans territoire et dans pays Inde la cour suprême pays Inde dans tout penché et sous dossier Rohingyas dans pays Birmanie. Mais certainement tout le monde besoin connaît qui genre situation y est dans ça qui concernait situation météorologique là dans zone noire, état d'alerte rouge dans et deux territoires français, particulièrement Martinique et non Guadeloupe et Martinique tout visé et îles Porto Rico déjà prend décision pour une série de monde aller dans abri provisoire gon cyclone les Maria qui prend pile force connait la force 3 qui avancer et sous îles Sao dans Caraïbes. Ces informations ça va quand pilote nous va gagner pour développer pour après-midi dans journal ça. Oui, d'abord, nous prenons le dernier nouvel temps avec dernier bulletin unité hydrométéorologique là. Et concernant temps, et puisque nous connaissons une autre fois encore un cyclone qui menace les zones Caraïbes blanc, et dans le moment où on a parlé là, particulièrement Martinique et Guadeloupe, une gros menace cyclone ça. Nous ne connaissons pas la route la fait, est-ce que nous menaçons Christnet? Bonsoir Christnet. Bonsoir Liliane, bonsoir Belson, bonsoir toute équipe là, auditeur Radio Kiskeya, à nous saluer nos chats. C'est toujours merci. Avec plaisir que nous continuons à porter l'information météorologique qui concernait son Caraïbes, Atlantique, sans une affaire météo.
Ou gagner ouagan Miguelan lui-même qui a monté de catégorie 3 de qualifier la 95 km dans la partie est de Martinique et 195 km quand il était vent qui a accompagné l'an et puis déplacement c'est ouest-nord-ouest pour à 17 km et position Mismali c'est 959 et tout Pascal. Quand on parle à la noix pour observer ce pays d'Haïti, il y a un temps qui gagne. Il y a des départements qui ont l'orage qui a abondé, et nous pouvons voir que c'est la pluie à l'orage pour presque tout département, suite avec le 48e tropical là, qui était traversé, qui était environnement bombardé avec humidité et instabilité. Par rapport avec l'ouragan Maria, lui-même, qui Maria capable de toucher extrême nord-est pays Caraïbes. À partir de mardi soir, et capable d'avancer beaucoup de nord pays d'Haïti, mercredi soir, qui va faciliter gros coup de vent, gros la pluie, ça qui va affecter la partie nord pays, qui est capable de tout provoquer inondation, glissement de terrain, avec la mer, ça serait dangereux. En conséquence, nous avons une permanence, ça veut dire que les désastres, mais c'est beaucoup d'unités hydrométéologiques pays d'Haïti, lancées pour le COVID-19. En 2017, depuis le matin à 11h30 du matin, ça a pris alerte numéro 1 à niveau vigilance jaune sous région nord-pays, qui voulait dire au risque impact intensif à modérer, qui vient la dernière groupe la pluie, coup de vent, qui vient la plantation, qui est un risque à désastre. Face à toute grosse menace sur le pays d'Haïti, capable d'avoir énorme éboulement de terrain, la mer qui j'en monte, puis qui a glissé tombé, puis bail inondation. Rien tout ce que tu as permanent à gérer vite avec des actes, continuellement avec population haïtienne pour rester vigilant pendant le côté toute bulletin qui peut être diffusée tout au long passage du système. Nous rappelons tout bulletin sérieux, bulletin vigilant sérieux, il y aura un cadre de protocole qui est établi avec service météo, de conseil avec le secrétariat permanent qui a géré vite avec des actes, avec des instructions civiles. Qui exigeait pour déclenchement de 72 heures avant premier impact, le délai qui permet la première phase de préparation de commencer pendant et cyclone lui-même a préparé pour confirmer le sous-pays d'Haïti. C'est toute information que nous avons déposée pour nous dans le bulletin spécial qui est effectivement décrété à l'aide jaune sous-payant par rapport avec un ouagan Maria lui-même. De catégorie 3, quand on a parlé à là, il y a 17 km à l'est Martinique. Et encore, on a demandé ensemble avec quelqu'un qui a peine branché la société, on n'a pas dit Maria pour nous, nous dit Maria a avancé selon l'analyse de ce monsieur. D'ici demain soir, on a avancé dans la partie nord-est Caraïbes blanc, on va l'analyse du soir, mais mercredi, il a commencé à toucher. Côté nord, pays d'Haïti. Ça nous va bien là, tout à l'heure, nous l'appeler avec l'orage là, c'est environnement qui est une difficulté et ça crée automatiquement instabilité après passage 46e anthropical là qui s'est passé sous Caraïbes centrale là. La promesse de l'Union, la promesse de cette équipe là, et Wenson, l'auditoire à tout ce qui est, nous c'est une façon agréable. Ça va tout dire, en tout cas, excellente semaine, nous allons passer rendez-vous demain, côté que nous continuer pour des informations aux populations en concernant les affaires de la loi Maria, côté de Palia, qui est de catégorie 3. Merci, Lila, donc c'est la vraie question. Ou même tout, Christophe, merci, à demain. Justement, d'après dernière nouvelle, l'ouragan Maria est rapidement divine prend force, journée jeudi, et à quelques temps, il est sorti de catégorie 2, catégorie 3, et sous échelle Saffir-Simpson, avec deux vents qui ont soufflé jusqu'à 195 km/h. Ça qui fait tourner un gros ouragan, c'est sa centre américain qui a suivi le mouvement cyclone NHC qui est basé dans Miami, Floride, et précisé. Et je dis, G. Maria, cyclone Nantes, est trouvé à 95 km dans l'est Martinique, qui c'est un département français en Amérique. Zile ça, ils mettent en alerte violette, ça veut dire dernier niveau à net. Et dans ce qui concerne les mobilisations, personne monde dans Martinique pas qu'à quitter Kayo. Ça veut dire depuis arrivé dans le niveau ça, tout le monde s'est fermé en dedans Kayo. Et ouragan qui avançait à 17 km dans la direction ouest-nord-ouest.
et doit passer et bon côté côte et Martinique peut-être dans mi-journée on prévoit que d'ap commencer senti force li selon autorité locale ça veut dire autorité martiniquaise et NHC centre américain qui a étudié ouragan yo Wampinga concernant danger que cyclone Maria a représenté la mer a monté main hauteur de vagues qui capable détruire tout ça au jeune sous route yo après cyclone dans film passé il prévoit que de l'eau qui arrive dans la mer jusqu'à 2,7 m comme ça et cap dépasser norme et que généralement la mer aille. Maria dernière tempête ça menace tout l'autre îles françaises dans la Guadeloupe ensemble avec îles tant que Saint-Kitts et Nevis et Montserrat et qui dépendent de Royaume-Uni, îles la Dominique qui entre et Guadeloupe et Martinique. Il y a une alerte ouragan qui déclenchait dans toute Zivu Sahayo et même j'en tourne dans Sainte-Lucie. Et dans ce qui concerne l'autre Zile, la France gagne dans la zone non, tant que Saint-Martin à Saint-Barthélemy qui se dévastait là en bas cyclone Irma et que cyclone ça a tout a passé dans la zone côte la Caillou et on prévoit Maria qui a passé en distance 100 à 150 km dans le sud et côté de Zile Sahayo. Saint-Martin à Saint-Barthélemy dans la nuit demain soir pour arriver mercredi. Fois ça, c'est Météo France qui annonçait nouvelle. N'a pas fini, pas bon ici. Des fois que nous disons l'autre cyclone encore qui formait. Donc, saison là, vraiment, et c'est plusieurs cyclones qui abattent inquiétude dans toute région. Mais il y a un cyclone ça, mais il y a un cyclone politique tout, nous connaît, qui par exemple suspend souffler sur le pays d'Haïti, qui après poursuivre, et c'est dans le contexte ça, président Jovenel Moïse a quitté le pays à direction Nations Unies, pour aller participer dans la première assemblée générale Nations Unies, et c'est 72e non, on va le parler, et sous situation. Faut que nous disions avant ça, c'était pour un message que le voyé par certains médias que le palais national t'a choisi, et c'est droit yo, yo te sélectionné et donc message que pas de voyer dans la radio Kiskeya. Si c'était c'est pas choisi, yo te choisi pas de sélectionné, on connaît d'après chercher, mais yo te choisi des médias que yo te baili, yo te jugé que auditoire radio Kiskeya pas de besoin d'entendre message président qui durait plus que 40 minutes. La dernière t'a expliqué qui j'en li aborder toute question ça yo et montrer toute solution que le gagne. Par exemple avec Tivaman Chéri, Corée étudiant et Corée paysan, 50 000 paysans, la baille manchette, ou c'est pète, et puis 50 000 paysans, qu'on a ici, c'est le pays qui est plus paysan dans toute région qui arrive là, paille de plusieurs millions de paysans, et puis 35 000 étudiants, 100 000 monde, et dit maman, tu maman chérie, dans le programme ça, qui te gagne 80 000, d'après ça le préciser, les quoi qu'on s'en a avancé et expliqué avec détail, qui s'en peut servir avec taxes à eux, que un peu le monde pensait que les patates doivent publier et loi finance. Donc, avant le parti, hier, dans l'aéroport international Toussaint d'ouverture, fait qu'on est prêt à passer 5 jours dehors, et pendant que le parle, c'est le gouvernement qui a le pouvoir en amène pour mettre l'ordre dans des ordres, et lui-même, les patates avec Madame Ni, Martine Moïse, et déclarer tout le monde dans le régime, et qu'on est prêt pas mêlé avec des ordres. Tout le monde capable de manifester, j'en voulais, mais fort situation, monde qui a manifesté est capable de quitter l'autre monde qui part dans la manifestation pour vaquer à l'occupation. D'après ça, fait qu'on est un gouvernement qui prend mesure dans ce sens-là. Et de temps pour jeudi, pour grève là, déploie la police tout partout et mettre bus, dignité, pas de gassé, c'est vrai. Et en pile fois tout, l'air passé rarement dans des zones, il n'y a pas de grand pile monde. Et il fait qu'on est personne monde pas doit intimider l'autre monde. Et président, te présenté compliment dans l'occasion ça ba au état major police là pendant que tout le monde connaît directeur général police là sous gros pression et il te fait déclaration ça à l'aéroport international là là il fait connaît agent police pas quitter pour prendre provocation dans l'occasion journée 12 et septembre là que gouvernement réduit seulement à aspect crasé brisé là qui sont journée d'abord manifestation vienne dérapage que tout le monde condamné mais pour pouvoir parler de journée de terre. Et donc, dans le mouvement Levé Campé qui était fait en compte budget 2017-2018. Là. N'attend des président Jovenel Moïse et qui était parlé comme ça avant de quitter Haïti hier dans le micro Amos Béville.
Je parle dans les Nations Unies. Je parle parler comme premier mandataire pays. Je parle non seulement parler de problèmes, mais je parle faire des propositions de solutions. Je ne connais ni Haïti, un gros tête chargée, un gros héritage que l'on a. Nous pas de choléra longtemps. Je dis, nous avons ça qui passé depuis le mois de novembre 2010. Nous avons traîné un gros fardeau derrière nous. Fado ça n'a traîné derrière nous, c'est à cause de l'irresponsabilité. Si l'on nous te connaît que le pouvoir politique, c'est un bagage qui sacre. Pouvoir politique, le peuple la baroule ou la plus servile. Pouvoir politique, le nommé ou pas de utiliser pour faire sauver. Ou de utiliser pour faire ça pour le peuple. Et c'est l'irresponsabilité ça qui donne un gros héritage ça. Le choléra. Mandat que nous avons, que nous avons 7 mois déjà et quelques jours là, la donne, mon poil travaille avec l'ONU parce que nous sommes membres fondateurs de l'ONU, c'est membres fondateurs des Nations Unies. Ça veut dire si nous sommes membres fondateurs de l'organisation, ça, faut nous connaître, nous avons une responsabilité pour nous prendre actif avec passif. Nous parlons de bataille. Même Jean secrétaire général là, il est temps de dire que l'ESCOB qui était notre budget, ministre Anissa, il a été à disposition de problèmes choléra que nous connaissons en Haïti. Même pour aller plus loin, pour que l'ONU prenne responsabilité, pour que les victimes choléra en Haïti soient capables de joindre justice et réparation. Nous avons travaillé sans camper. Et nous disons, nous avons parti, jeudi dimanche, nous avons quitté le pays, nous avons un premier ministre qui l'a. Ministre qui est ensemble avec nous. Recommandement la police là qui l'a. Je connais que la police, c'est pour le protéger, c'est pour le servir. Je félicite pour le comportement. Le comportement, je ne vais pas quitter personne pour entrer dans le sac passage. Je dis, les gens qui t'ont crasé et brisé, ils même pour être crasé et brisé. Mais je dis que je dis, c'est eux-mêmes qui représentent la force répressive. Les gens qui fait des ordres, il faut nous mettre l'ordre. Je crois que dans pile rencontre qui fait, CSPN a réuni plusieurs fois. Moi, il y a une information. M'a dit au commandement qu'il a, qui vient saluer le départ moi, au New York, que je connais pouvoir ça, son pouvoir qui marche avec l'ordre, son pouvoir qui marche avec discipline, c'est mon pouvoir qui n'est crasé brisé, son pouvoir qui marche avec stabilité. Stabilité, là, son seul gens que nous avons joué, c'est l'heure où dit que le côté doit pas au fini, c'est là par où l'autre commencer. Ou il y a un droit pour manifester. Mais citoyens, il y a un droit pour le vaquer librement à occupation. Je connais que la justice, il y a une instruction pour que l'ordre qui a respecté dans le pays, au monde où il doit manifester, c'est loi ça, c'est droit ça, la constitution en bas. Il y a des pays en Europe, le map gardé, il y a 4500, 5000 manifestations par année. Mais ça n'a pas obligé pour écraser. Je dis population, parle avec nous dans le week-end sur parole changement. Son émission qui a bien fait chaque jour. Pour me parler avec nous, pour m'expliquer nous le problème et pour me dire nous qui solution que nous avons voulu. Parole changement, dans deux semaines, nous avons pour nous parler de l'autre sujet d'actualité. Nous allons aller faire 5 jours. Mais qu'on est que peuple là, degré de maturité nous veut dire, pas de monde qui a fait nous faire ça qui passe. Mais comptez sur nous, qu'il y ait de calme nous, fâchez à occupation nous librement pendant ce semaine. Et nous connaît que le gouvernement qui l'a, qui a prêté dans tel pays, le contrôle pour la plat pour le mettre. Voilà, c'est dans le moment où tu as quitté le pays et il t'a parlé de 5 objectifs qui gagnent en présence dans l'Assemblée générale des Nations Unies, dans New York. Et d'attendez. Je vais représenter Haïti dans la 72e session Assemblée Générale des Nations Unies. Et je nous connais nous pour Haïti, nous avons des particularités. Les objectifs de développement durable, qui sont 17 objectifs, nous-mêmes en Haïti, nous avons 5 pendant qu'un quinquennat qui est prioritaire. Premier, c'est le droit à logement social, logement général. Deuxième, c'est infrastructure routière. Troisième, c'est infrastructure hydraulique, ça veut dire le monde boué. Quatrième, c'est reboisement, c'est-à-dire en dehors, nous choisissons un thème en dehors. C'est reboisement parce que le pays a le pire problème dans le bassin versant. Parce que une bonne rivière que nous voyons qui vient faire dans le pays, c'est des ravines qui n'ont pas existé longtemps. C'est à cause de problèmes de changement climatique, de reboisement accéléré que le pays a connu dans tête monde. Problème ça arrive. Cinquième objectif là, c'est l'énergie. Nous optons pour énergie propre. Pour qui ça nous dit énergie propre? Moi, par exemple, Haïti, c'est maman hydroélectrique dans la Caraïbe. Même gens nous connaissons que Haïti, c'est maman liberté. Même à dire, nous, peuple haïtien, pays ça a joué, diable, nous fait noir.
C'était pays ça qui était la première centrale hydroélectrique dans les Caraïbes. Il était construit en 1895 par la mairie d'Haïti et le groupe électromécanique suisse dans Gaïa, dans la section communale qui est dans la commune Caï-Jacmel. D'ailleurs, la ville de Jacmel, c'était la première ville qui est électrifiée dans les Caraïbes. Mais malheureusement, 122 ans après, le taux de pénétration énergétique nous est en électrification, c'est 12,5% libre. Là, nous comparons avec l'autre pays dans la zone, nous derrière camionnette la net. C'est ça que fait nos 17 objectifs de développement durable. Énergie, c'est l'homme choisi, énergie propre, que nous allons mettre l'accent sur lui pendant le mandat nous ban moyen. Faut qu'un pile hydroélectrique qui construit dans le pays. Là, nous dit construit, m'a construit sur une rivière qui mérite pour construire et m'a préparé tout ça que j'ai abandonné. Depuis un pile temps. Bon exemple, centrale hydroélectrique de Nugé-Lanzac, qui a abandonné depuis 10 ans, dans un monde pas marché, qui a produit 1,2 MW de courant pour lui mettre zone de Nugé, zone mourue pour clairer Gémounio, pour retirer le fermement. Malheureusement, pour une raison ou pour l'autre, l'État a abandonné. J'en ai dit non pendant la campagne électorale. J'en ai dit, je vais retirer l'État dans la rue. Je vais retirer l'État dans la rue. Tout domaine, l'éducation, la santé, sécurité, énergie, infrastructure routière, infrastructure hydraulique, même genre, infrastructure hydraulique, il faut qu'on fait un budget 2017-2018 pour nous acheter équipement, pour nous équiper d'INEPA, qui c'est Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement. L'INLA, direction ça, pour mettre de l'eau pour nous boire dans tout le pays. L'île pour régler affaire bloc sanitaire. J'en te dis depuis 1er mai 2017, je n'ai pas voulu la latrine construire dans le pays. Je dis que c'est bloc sanitaire pour nous construire. Parce que petit paysan, leur vivre dans une zone rurale, il faut commencer à habituer à la civilisation. Ce n'est pas leur rentrer dans la ville pour connaître ça comme WC moderne. Voilà. Et une autre fois encore, promesse président Jovenel Moïse avant que l'IPATI quitte le pays. Et pour aller dans les Nations Unies, et côté pour participer dans la 72e Assemblée Générale des Nations Unies, qui c'est gros messe mondiale et diplomatie et mondiale. Et côté président Trump, ensemble avec président Macron, pour aller faire premier pas sur scène mondiale. Là. Demain, président américain prend la parole. Je dis déjà une réunion. Et pour demander réforme dans l'ONU, côté gen 130 pays qui appuient, et puis gen Macron tout qui a fait premier discours devant Nations Unies et toujours dans même occasion. Mais souterrain en Haïti, bien que gen des paroles président Dylan n'a pour nous retourner sur dans l'autre occasion pour analyser yo, tant pour question à faire latrine à opposé à WC non pays côté pas gen de l'eau, moun pas gen moyen commencer. Mais et pour qu'on est là, on a concentré deux préférences et sous et journée jeudi. Et qui c'est un succès dans toute zone métropolitaine, grève l'emprunt total capital. Mais c'est pas nous capable dire que n'est pas égal dans tout territoire. Et mais qu'on est là, nous prenons le temps de lecture et pouvoir non seulement président, mais tout le monde qui a veillé pouvoir pour lui, tant que Renal Libéris, tout qu'on est monté au créneau. Secrétaire général Conseil des ministres, c'est lui-même qui est accusé d'entreprise dans le secteur business privé, ensemble avec Lucien Jura, mais il n'y a pas privé, il n'y a pas de nom, mais il dit qui est sur eux, et qui est manifestation qui était faite semaine passée. Et donc, d'après ça, annoncé, il dit qu'il n'y a pas fait bac dans ce qui concernait le budget 2017-2018, là, que deux échanges ont voté. Et secrétaire général Conseil des ministres, qui est en pointe dans la bataille, ça, Renal Libéris, et li, qui t'a réagi sous grève avertissement qui prend dans la zone métropolitaine dans journée jeudi a dans cadre d'une émission spéciale Radio Kiskeya a été fait dans mi-temps journée que Ketia Jean-Pierre Taylor avec Vinay Joseph t'a co-animé et li, monsieur Libéris qui dit que tout citoyen gain droit pour faire grève cependant il dénoncer ça le dit menti et qui baille et soit fait budget donc ça veut dire en même temps tout yo même yo temps mon campagne depuis plus qu'une semaine semble pas arriver à renverser la vapeur. Donc, il présente le budget 2017-2018 là, comme un document politique pour permettre à Jovenel Moïse réaliser promesses de faire population dans la campagne électorale. Il n'a pas le secrétaire général du Conseil des ministres, Renal Libéris, dans le micro, Renal Guerrier.
Déjà, la première chose, c'est que le gouvernement a un ensemble de valeurs, il faut la gagner. Il faut un droit, chaque citoyen gagne pour revendiquer, dans le respect de la loi. Il faut un droit, chaque citoyen gagne s'il gagne une proposition budgétaire ou une politique publique qui passe au plaisir pour nous tous. Parce que dans le cas de ça, ça a dit son malentendu, mais au moins, c'est que il gagne une volonté manifeste pour avoir des informations inexactes autour du budget, donc c'est qui véhiculé dans une série de secteurs de la population, côté que tout le monde pensait que c'est vrai, et sous base ça, il y a bien pas de manifestations, il y a bien pas de grève. Alors ce budget, ça, ça vient la donne, mais il y a la donne pour payer tout pour faire l'école, l'argent. D'ailleurs, tout pour faire l'école, surtout dans le secteur public là, ça allait augmenter de plus de 27%. Tout médecin, ça allait augmenter de plus de 30%. Ça vient la donne, l'argent pour honorer les promesses de campagne précédente, pour question et environnement, pour question pour régler pour les infrastructures dans le pays, donc question pour faire bail courant 24 heures sur 24. Je ne suis pas sûr que les syndicats qui sont des partenaires sociaux qui ont habité travailler avec le gouvernement, pas seulement le gouvernement, mais d'ailleurs avec tout le gouvernement, pour continuer une série de revendications sectorielles, parce que nous sommes capables de compte d'augmenter le salaire professeur, pas qu'on est capable d'augmenter le salaire médecin, pas qu'on est capable si on construit des centres, par exemple, des thermoplastes qui permettent que nous ayons des négataires pour résoudre le problème d'environnement. Dans le cadre de consultation que tu as gagné avec le syndicat Lissio dans l'augmentation du gaz, tu as gagné des dispositions qui te prend pour te payer ensemble professeur, directeur de l'école Psygo dans le cadre de l'argent qui va l'entrée pour l'augmentation du gaz. Si on fait Kounia, nous venons avec Lito, même pour ce que ça nous dit sur le budget. Le budget de cette direction-là, c'est le premier budget véritable du gouvernement. Le budget qui est celui-là, c'est le budget 2016-2017, là, celui qui est encore en fonction. Et le budget, ça, si mémoire bon, c'est un budget qui est reconduit pendant l'administration président Prévert, là, donc qui ne pas correspond à la nouvelle réalité, à la nouvelle priorité du gouvernement qui est là. Donc, conseil de promesse qui fait, promesse pour matérialiser, c'est à travers le budget. Mais, autant de plusieurs monde qui savaient dans la question budget, tant qu'on peut les groupes de croissance là, qui c'est M. Kessner Farel, qui dit gouvernement, bah, il menti dans le cadre de justification, là, pour faire ce budget, ça. Qui réaction nous? Bon, on a fait que dans le jeu démocratique là, gagner et on parle de respect pour l'institution, respect pour mon habitilisé, parce qu'on dit qu'on est citoyen et on dit que le gouvernement va émancer, c'est pas mon terme d'habitilisé. Sauf que, en fait, il m'a rappelé que le budget, ça, il y a deux documents essentiels là-dedans. Il y a, en fait, le budget synthétique en tant que tel, il y a deux documents annexes qui fait plus passer 600 pages. Donc, moi, je pense que mieux vaut que nous prenons le temps pour nous garder, au lieu pour faire des analyses, en fait, actives, qui ne correspond à aucune réalité. Grève, ça y est, lancé là. Son grève d'avertissement, c'est une grève qui n'est pas annoncée. L'autre grève, nous ne pouvons pas faire un jour à venir, nous ne pouvons pas prendre une grève illimitée, manifestation, désobéissance civile. Bon, parce que nous allons changer. Et je que chaque jour, grève, on vous fait pour descendre par quoi des obscurs. Les testimonies fait moins journée à l'école. Pendant ce temps, on va aller pour pays dans la région, en moyenne, il y a un taux supérieur par rapport à nous-mêmes. Je me rappelle que les grèves, il y a un coût pour les machines, pour tout le monde qui a besoin. Donc, on ne peut pas faire des grèves, parce que grève parce que il y a 2000 gouttes demandées pour le pays, alors que 2000 gouttes de carbone, c'est full pendant le budget. On ne peut pas faire des grèves parce que je vois payer 4 notifications nationales pour 2700 000, alors que c'est faux, il va la donner. Donc, soit faire grève, mieux vous utilisez ce motif de là pour ne pas être valable, pas pour faire des mensonges. On aujourd'hui, mon équipe manipulation a fait. On a eu le pouvoir qui a lancé sur une base de mensonges, parce que il n'est pas fair, il n'est pas juste pour la population et il n'est pas correspond à la situation nous en tant que peuple. Mais où est-ce là en 2008, en fait, où tu vas commencer à y être, tu gagnes une émeute de la faim, non pas crête. Quelle situation peuple là pour nous prendre l'autre émeute de la faim? On s'est dit, pour résoudre le problème de la confronter, qu'on soit besoin, besoin bon budget. Je dis à la conseil d'intervention pour avoir le budget, parce que le budget là, ça correspond à besoin de l'heure. Son budget rectificatif, ça y est. C'est un budget qui a l'application. Donc, si nous disons que le peuple a un problème, nous avons plus pour nous presser pour appliquer le budget. Est-ce que ça veut dire, M. Libéris, nous minimiser ensemble le mouvement qu'a fait dans l'AIA contre le budget 17-18-là? Non, ça veut dire que nous minimiser aucun mouvement. Ça veut dire que nous connaissons tout le monde, nous connaissons la situation du peuple pas reduisante, mais la situation du peuple n'est pas correcte pour une raison simple, pour choix politique que
été fait dans le pays pendant toute dernière année ça. Donc j'en parle à là, monsieur Libéris, gouvernement par pour faire back devant contestation populaire qui gagne par rapport à budget. Je ne pas croire que aucune instance dans le pays est capable de demander au gouvernement pour violer la loi. Je me rappelle que pour toute partie politique qui est intéressée avec les questions et budget, si bon côté pour nous bloquer le budget, c'est dans le Parlement en fait. Le gouvernement c'est fait tout ça, le connaît tout ça dans la possibilité pour être capable de respecter les délais le 30 juin pour déposer le budget. Voilà, c'est Renald Libéris, secrétaire général Conseil des ministres, qui fait connaître, il a publié le budget qui finit de voter dans le Parlement. Donc, c'est ça le dit. Et sénateur nord-ouest, Tête-Calais, qui est Augustin, dénoncé une autre fois encore, ça a les campagnes menties, il dit plusieurs autres secteurs faits sous budget. Sénateur PHTK, il fait connaître dans le budget, ça, le gouvernement a des moyens limités et pour mettre tout engagement que le président prend. Dans la campagne électorale, bon, la pas ajouté toujours sous promotion et en application. N'attendez, sénateur Kepler Augustin, dans le micro, Vinner Joseph. Le citoyen doit faire grève, il doit faire manifestation dans la mesure qu'on fait dans les limites de la loi et de la constitution, des conventions internationales signées et ratifiées par Haïti. Et enfin, quel que soit à côté, nous sommes capables de trouver, en tant que sénateur, que nous sommes encore exécutif là, que nous sommes dans PHTK, que nous avons soutenu le gouvernement au niveau de la majorité, au niveau du Parlement. Je ne suis pas capable de nier que le citoyen a le droit à ça. Mais en même temps, je dis que ça n'est pas capable de retirer sous droit par tout en tant que citoyen, en tant que parlementaire, pour m'inviter la population à ne pas suivre mon mode de grève, ça, qui pour moi-même n'est pas justifié. Dans la mesure où nous connaissons très bien que ça a fait là, il n'y a pas rien pour louer avec l'intérêt de la population. Hein, son groupe monde qui pendant longtemps, qui n'est pas jamais d'accord que Jovenel est capable de président. Et qui a continué en bataille électorale, même au niveau du Parlement, même après les élections, même après les prestations. Et Augustin, vous avez parlé de budget à qui gagne, et divers points là-dedans, l'on dit opposition capitalisée sous l'Ibulta, pour le faire, pour induire population en erreur. Alors, parler de budget Parlement, qui pas 7 milliards de gouttes, mais en fait, tout le monde, il écrit dans le budget Parlement qui gagne 7 milliards de gouttes, et c'est une critique tout par rapport avec le pouvoir législatif là qui gagne toute quantité comme ça, alors que judiciaire là c'est environ 0% et santé également ce qui gagne une pitance également dans le budget. Mais justement, ça ce sont des alibis, des subterfuges. Ça va pas être pétron, ça va pas justifier une raison pour mon appartement, pour le monde, pour tirer au sous monde, pour les machines, pour les travail. Ça va être aucun pays pour que, parce que pour les partis sont gérés que. Quelqu'un qui doit être pas d'accord, j'en reparti à, pour ça, pas une raison, pour ce qui pour bouler la Chine, craser Kaïmoun, faire toute qualité des autres d'Ao, pas capable de faire, répartition du GA. Je dis à, pas grand monde qui j'aime m'en démettre de l'ordre, c'est d'accord avec tout le temps, reparti à, tout le monde qui a soutenu le gouvernement, pas grand qui dit que nous sommes d'accord, pas grand qui dit nous pas faire tout à fait de démettre tout sur l'autre côté, pas grand qui dit que nous pas d'arrêt, mais que ça, c'est là, les bitons. Mais nous-mêmes, en tant que parlementaire qui a soutenu l'opposition, est-ce que ça a son raison? Tu vas voter ton budget parce que justement, tu as demandé à l'Opan de faire la chauffeuse. Ça n'a jamais fait ton qu'un pays. Et puis d'autant plus que, et puis répartir son budget, les conforts, ni découler de vision politique là, de ligne politique, de déclaration de campagne, ni de fin. C'est droit, c'est pour ça même qu'il y a une élection. Pour le travail, c'est ça le vrai. Non, ça le dit, ouais, qui pour vous payer. Je dis à monde qui parle à contre ces comptes à répartir. Si par exemple, on a voulu faire le secteur santé 80% dans le budget, ou 60%. Là, par l'élection, la fête campagne 69%. Pour tout le monde santé, voter les dix pour le cadre de la personne. Voilà, depuis pas d'accord avec un point, le citoyen, le sénateur pas reconnaître, c'est un mandat pour aller chercher. Donc tout le monde doit un mandat, c'est pas ça, on ne doit parler de pas d'accord. Et c'était Kepler Augustin qui gagne une approche très singulière de saluer les démocraties. Hein. Et conférence secteur syndical là, et Moussa, dans le local CSH, dans journée jeudi, responsable bon syndical là a déclaré journée grève là, avertissement était lancé journée jeudi, c'est une réussite totale capitale. Dans conférence pour la presse, dans le local CSH, la secrétaire général maintenant, Jacques Anderson Desroches, avec responsable relations publiques là, Edner Meus, et il a demandé au président Jovenel pour tant de raisons, et fait bac sous loi finale 2017-2018. Là, zone KPT 10 oreilles parfaites pour le pilon passer tête. Syndicaliste qui dit yo pas fait bac sous revendication yo promettre pour déclencher un mouvement mobilisation manche longue
nan jou kap vini la yo pou forcer président fè baksi li publier si ta sorti pou publier loi. Et n'ap tande syndicaliste Jacques Anderson Desroches ak syndicaliste Edner Meus qui te lancé mot d'ordre grève là avec plusieurs autres confrères qui te parlé comme ça dans conférence pour la presse côté Didier Parent te présent pour être Kiskeya. Nous dit président Jovenel Moïse fait le temps de raison. N'a dit population trois barres. Et m'vle journaliste qui l'a saisi. Le président ou manifestation. Il est grève. Il n'a pas décidé de faire bac. Ça veut dire clair. 57 pral tourné en 2017. Il y a 7.7 pour l'Assemblée. Ça veut dire clair. Jovenel Moïse pral tourné en dictature sous toute forme. Mais nous, de 1986, le pays a choisi la démocratie. Le président prend radio et télévision. Il dit le pape tourné. Puis il dit deuxièmement. Désobéissance civile, éclatement social, soulèvement populaire, c'est pour la faire promotion. Le président décide d'augmenter taxe 4 fois la valeur. Par exemple, article 7, dans le budget, ça. Pour formatif fiscal, au besoin de 1000 gouttes, il était 250 gouttes, 400%. Il était 250 piastres pour un cas de travail, pour nous passer à 1000 gouttes. 400%, ça veut dire que le président Jovenel dit clair, il peut décapitaliser la classe qui est plus pauvre. Et conférence pour la presse, c'est pour encore une fois pour nous dire, journée de grève, ça, c'était une journée de grève d'avertissement. Sauf façon pour nous dire, président Jovenel, lui, à toute acolyte scamantelle, lui, à tout conseiller déloyal, nous ne pouvons pas faire bac. C'est, je déclare son président, comportement, et monde qui a bal conseil, c'est l'huile livide sous machine mobilisation. N'a pas invité population à suivre mon ordre. Semaine ça, son semaine de mobilisation, nous lançons un jour grève, semaine même pour lancer pile d'activités, même grève illimitée qui peut contraindre Jovenel tout sous décision. Si Jovenel voulait rester adhérent, nous tous connaissons clair que des présidents dans l'histoire récente pays qui prennent des décisions comme ça, eh bien ils sont obligés de tirer la révérence. Ce n'est pas soin du pays. Mais si le président dit adhérent, le président va l'obliger de tirer la révérence. Nous dit le président, ressaisis-vous. Sous pas ressaisis-vous, pita, capitris. Pita, pitris, sous pas ressaisis-vous. Grève là, réussi, pays à d'accord. C'est ton grève d'avertissement. Mais la profite de radio, à télévision, la micro, pour nous dénoncer comportement. Madame qui fait venir dans le ministère social, là, cap l'on mène au monde, cap indexé monde. Nous dit madame, non, les bien compté, mal calculé. Et dans le jour qu'elle vient, on a fait de plainte et même mandat pour traduire madame dans la justice par rapport à des bagages. Elle a dit, par rapport à des mounes, elle a filtré. Nous dit madame, non, clair. Tout pouvoir en général, secteur syndical, qu'elle n'a pas de négociation. La seule façon de négociation à faire, c'est les Jovenel. Tout est sous décision. N'a pas mis qu'au radio à la télévision. On dit président, nous saluons parce qu'on a des sagesses, on a des raisons. Et le problème à poser avec le ministre des Affaires sociales, là, c'est parce que le ministre là a perdu ses deux mounes, particulièrement de Roger Anderson. A perdu ses deux mounes à tout niveau. Et me comprenez à clair, et c'est très menaçant. Le ministre a perdu les deux mounes pour le dire de bailler sous Roger Anderson. Il n'y a pas de là, c'est même population qui va attendre. Quand j'ai dit tout conseiller président, qui ça, qui message à la presse, je dis, yo même position. Si on peut pouvoir ça prendre, lui-même, il va faire bac. D'ailleurs, si il y a ça qui passe lundi passé à là, et il y a une grève d'investissement qui est lancée, malgré tout, samedi soir, il y a un milieu budget. Ça veut dire que clair que lui-même n'a pas de temps de rien. Mais sauf que, grève d'investissement ça qui passe lundi à là, je crois qu'il y a un bilan. Et toute tentative qu'il fait dans la presse, pour matraquer ça qui a fait là. Et il essaie tout type de stratégie. Il utilise des tracts, il utilise tout ça en termes de stratégie pour être dans la mesure possible. Comment capable de colmater ça gagne? Et que certaines presse tout. Et ouais, comment ils ont même retiré le micro dans la bouche nous. Pour nous avoir accès, pour nous faire mobilisation, pour ce travail qu'a fait là, nous, niveau de réussite. Et nous avons souhaité, président Jovenel, pays d'Haïti, dans le niveau lié là, nous deal et nous avons deal. L'IPATA même en mesure pour même 30 secondes de grève. Voilà, pour des grèves illimitées. Et, président, ça que nous avons là, pour qu'on ait vulnérabilité, pour qu'on ait déficit de légitimité populaire. Voilà, c'est deux dans le syndicaliste qui étaient dans ces mots d'ordre grève là. Jacques Anderson Desroches et Edner Meus, qui étaient parlé comme ça dans la conférence pour la presse sur Bay jeudi. Et Jacques Anderson Joseph, secrétaire général MUT, que lié. Et puis Edner Meus, c'est responsable relations publiques. L'autre syndicaliste président, monde syndical haïtien, Moussa Carlo Napoléon, à Guy Vilsain, remercie tout secteur qui était poté collé dans l'occasion de la grève avertissement ça, que le secteur syndical a été lancé pour protester contre le budget 2017-2018. Là. Nous les deux syndicalistes, Carlo Napoléon et Guy Vilsain, qui a dirigé le syndicat Monde syndical haïtien Moussa. Et l'ensemble du mouvement syndical, je dis, qui a remercié la population pour compréhension et il dit non, il n'est pas d'accord avec le budget. Jovenel mettez pour Alphon Foyo pour Altourier comme poison. Nous disons merci dans tout secteur, transport, écoliers, élèves, professeurs, dans tout secteur, nous disons merci. Comme ça nous dit avec président Jovenel, eh bien, il n'y a pas de choix, je ne dis pas,
c'est rentrer vieux budget ça. C'est ou bien rentrer tête li, ou bien le rentrer budget. La franchise. Si le président pays, parce que population dit, yo pas d'accord à décision yo. Yo tellement pas d'accord, ouais, je dis, yo pas prendre la rue. Ça veut dire, yo sanctionner gouvernement. Faut tirer la révérence pour ça qui passe. Monde syndical là en entier nous dit peuple haïtien merci et nous dit président Jovenel s'il va l'étendre peuple haïtien l'a fait l'étendre parce que Duvalier te dit là tant pour que macaque il pas prendre au moins le aller constitution c'est papier ba on c'est fait mais nous sommes en démocratie n'a continuer pour dire dit président il pas obligé à ba peuple à mentir lui montrer que il pas qu'à gouverner pays ça force politique qui pense le gagner force sociale là plus passé si jodi a nous qu'a fait toute population rentrer nous même syndical toute population rentrée la caillou, l'école va l'ouvrir, magasin va l'ouvrir, tout transport paralysé, banque fermée, tout côté, c'est pour montrer force sociale là, plus passer force politique là. S'il te gagne une force sociale avant, il devine acheter force politique ça, tu dis à ta pouvoir sur la population. Mais il n'est pas capable, comme c'est menti, il y a un peu de menti Céline. Il y a un peu de menti Céline, il y a un peu de peuple à menti. Distribuer l'argent pour le peuple à craser, grève nous, le peuple à s'aimanter 77 fois cette fois, il n'est pas. C'est une force sociale à l'attendre, nous dit à l'attendre syndicat à transport, et puis devant, le président va tirer la reverse. Voilà, c'est deux syndicalistes, Carlo Napoléon et Guy Vivien, qui a dirigé l'organisation syndicale, le monde syndical haïtien, MOSA, et qui était organisateur grève là, et avec l'autre confrère. Et puis, dans Okaï, manifestation anti-Jovenel Moïse, dans ville Okaï. Nous connaissons qui c'est une bastion et président et y a plusieurs centaines de monde qui est descendu dans la rue au Kay jodia pour demander Jovenel Moïse faire bac sous l'idée gagné pour ta publier dans journal officiel le moniteur loi et financement et plus d'états correspondant nos gens c'est nos l'esprit. C'est une manifestation qui commençait, bon, disait comme ça dans matin lundi 18 septembre, dans le moment grève transporteur haïtien a été lancé pour journée lundi ça, sur tout le pays, a été déjà paralysé. Majorité activité quotidienne dans la métropole sud, là, côté l'école, marché public, en grande partie pas fonctionné. Une situation qui devrait créer une opportunité pour manifestation ça, qui devrait déclencher avec plusieurs centaines de manifestants pour demander président pays, Jovenel Moïse, pas publier budget 2017-2018, là. Qui est considéré comme un document qui visait pour venir en Europe pauvre dans le pays. Je dis à peuple après la rue pour le journal fait bac dans le budget champou LPC sous ses calettes ça. Et il paye plus payé pour voir sous population qui a manifesté. Après le mois avec budget calettes sous ses sous sous ça. Et devant j'ai la police, je tire roche sous nous. Et nous dit nous va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous jouions le résultat que nous besoin. Parce que nous dit budget champou LPC sous ses calettes ça, il n'est pas publié. Et si je venais pas tenir la raison, les publier puisque ça, nous dit, c'est pita à pitris, et il peut constater, peuple a battu la ria pour demander démission direct sous pouvoir. C'est une manifestation absolue qui a déroulé en bas de la police, côté la presse, pas enregistré aucun incident grave dans tout le commencement. Cependant, tu peux craser, les manifestants ont tenté de mettre caoutchouc sous boulevard 4 chemin au Caille, côté la police pas prend temps pour te réagir avec gaz lacrymogène qui devrait la cause manifestants ont été obligés de rentrer la caillou. Jean, c'est nous cet esprit pour Radio Kiskeya, ville au Caille. Oui, au Caille qui c'est un symbole dans ce qui concerne le pouvoir tête calée depuis établi dans tête pays. Puisque vous faites plusieurs expériences là, tant que expérience carnaval pour développement. Et côté tout kounye la c'est la caravane nan gen quartier général li et côté gen yon nan gros allié régime nan qui c'est magistrat ou kay la Gabriel Fortuné. Ou toujours sur Radio Kiskeya on suit un journal 4 on a présenté depuis studio Bertrand Perdue faut donner un journal très spécial nan occasion journée grève ça nous pour aller au Cap Haïtien deuxième ville pays à correspondant nous Jean Maxino qui a qui te dit depuis matin que grève la pas de plan au Cap. Justement, vu qu'à Haïti, on est une journée normale, jeudi, lundi, 17 septembre 2017. En effet, grève n'a pas modé dans la ville cabahitien, beaucoup commerçants, beaucoup commerciaux lourds et commerciaux formels là, l'école, le transport en commun, tout est fonctionné normalement, bien que tu aies une hésitation. Le commencement de la journée, 6 heures comme ça, c'est bien des hésitations, côté, on ne va pas remarquer vraiment et
camionnette dans la rue ville Cap-Haïtien et matin. Matin tout, selon quelques témoins, il y a un caoutchouc qui a boulé dans quelques quartiers où côté caoutchouc qui a boulé dans quelques quartiers dans la ville, il y a une bouteille vraisemblablement qui a boulé parce que il y a une bouteille qui a écrasé qui sous quelques zones d'entrée ville Cap-Haïtien, mais mis à part ça, ville là, c'est qu'on est en journée normale, côté tout va être fonctionné. Et autre chose à signaler, c'est que bus qui assure, qui est lié, ville Cap-Haïtien à Port-au-Prince, ils ont été sous place, ils ont pas, et mon papier qui a privé, trouvé un bus pour aller à Port-au-Prince matin, bien que nous avons remarqué quelques compagnies bus qui assurent transport et Cap-Port-au-Prince qui reprennent service vers zones midi. Pas rien, aucun incident signalé, la police pas signalé que le fait des arrestations et autres. Et c'est ton journée normal dans la ville Cap-Haïtien, jeudi, lundi 17 septembre 2017. À part bouteille ou dit qui t'est écrasé, pas gain aucun autre incident. Allô? Oui, Maxime, non, pas gain aucun autre incident, à part ça, t'es signalé. Non, pas vraiment aucun autre incident. Mais cependant, Kétia peut-être débat ça matin, et vous connaissez que. Secteur dans l'opposition dans ville Cap-Haïtien, yo en deuil avec la mort ingénieur Evnou Antenor qui a 35 ans, qui était bois droit, qui est candidat à la présidence, et Moïse Jean Charles, monsieur mouri dans un terrible accident hier dans l'entrée Santo Domingo. Il était gagné 4 mounavel, 3 c'est mouri sous place. Et bon, comme j'en pile les amis auditeurs dans le cap côté qui s'est à un moment, bon, rapidement, bah, non, mon qui était mourant, qui 5 sont entrés dans la ville, dans la palois funèbre, et bien, un étudiant de 21 ans qui était les failles, sa guerrier, de même que l'ingénieur Lucy Jean-Baptiste, et vous qui était très connu dans le mouvement, et organisation, manifestation, grève et autres. Et ça, c'est une raison, peut-être, qui a cause que le grève n'a pas modé dans la ville Cap-Haïtien parce que tout le monde était vraiment sous choc après l'annonce de la mort hier après-midi de l'ingénieur Evnou Antenor, 35 ans, lorsqu'il est entré Santo Domingo, il était mort dans un terrible accident de quitter la ville Cap-Haïtien hier matin. Donc, il y a un pile de monde qui est en deuil là dans le département noir à cause de la tragédie ça. Oui, gampil moun, gampil kriye nan ville Cap-Haïtien. Evnou, bien que li te yon militant et piti de Saline, mais son équipe est très ouvert, qui toujours parle à tout moun, tout secteur, qui joue nan moun nan condition sa, et c'est surtout un jeune, où j'étais très impliqué nan organisation, dans mobilisation, et c'est vraiment au bas droit et candidat à la présidence Moïse Jean-Charles, et qui sont ingénieur Evnou qui toujours accompagné Moïse Jean-Charles et dans tout ça que l'a entreprendre dans ville Cap-Haïtien. Bien, merci Maxino. Merci. Merci beaucoup, c'est correspondant nous dans Nord, Gérard Maxino. Nous prenons les là dans le plateau central, côté grève syndicat chauffeur t'es lancé, t'es réussi. Et d'après sa correspondant, nous faisons connaître dans le plateau, et t'es même manifestation, plusieurs centaines de monde, t'es prend la rue H, contre budget 2017-2018, non? Et sous initiative, un mouvement relé et ramasser Chalmay Peralt. Plus de détails à connaître l'audate. Sous initiative mouvement pour ramasser Chalmay Peralt, plusieurs centaines de monde prennent la rue à la ville H. Nous venons lundi ça pour dénoncer la loi de finances 2017-2018 là. Manifestants ça au côté en pile là-dedans, c'est jeunes universitaires, élèves qui dans classe philo avec l'école professionnelle, t'es marché dans diverses rues dans centre-ville H avec pancarte dans main yo avec slogan écrit sous yo tant qu'on nous pas prend budget ça, organisation ou l'amour nous pas manger banane. Annulation carré barré budget si la. Gagné un manifestant yo qui te gagné un meyo branche bois et pendant yo tap chanté ensemble, moins te palé au président Jovenel mêlé en côté yo.
C'est en bas, Goscott, sécurité agent police nationale d'Haïti, manifestant au terrain devant bureau délégation départementale Sainte-La. Après, on est allé sous place Charles-Marie Peralte, côté Manifla, t'es point fin. Entre temps, grève syndicat chauffeur avec propriétaire complètement respecté dans au plateau central. Depuis matin, nous pas remarqué qu'une activité trafic dans un an et même taxi moto yo observé modèle grève si là au plateau central. Wenelodat, Radio Kiskeya. Merci pour aller dans Balatibonite, président syndicat chauffeur, propriétaire véhicule Balatibonite, Mira Augustin, désatisfait pour façon grève la t'est respectée dans zone pas là. Et c'est même réaction tout pour coordonnateur rassemblement militant conséquent commune Saint-Marc Ramikos Charlier Nord Thompson et qui t'a appuyé mon autre grève là d'après sa correspondant nous Missa Madeis fait connait. Président syndicat chauffeur propriétaire véhicule Balatibonite Mura Augustin dissatisfait pour façon lui dit chauffeur respecter mon autre grève avertissement yo t'ai lancé pour lundi 18 septembre 2017 là. Président syndicat Mira Augustin mandé gouvernement Moïse Lafontaine pour faire bac sous budget a. Sinon, selon ça le dit, il a bloqué le pays dans le meilleur. Quand je dis ça encore, vachement satisfait. Pour comprendre, on parle de mot vachement satisfait. Comme son grève avertissement, il est vachement satisfait. Dans le pays d'Haïti, si vous passez machine tout le monde, tout le monde net, tout le secteur, c'est la transport vidéo qui est roulé. Mais c'est son force. Le gouvernement va répondre, nous, la mettre ensemble et puis nous faire un pays. Coordonnateur, rassemblement militant, conséquent commune Saint-Marc, Ramikos, Chalena Thompson, fait qu'on est lui-même tout. L'IAPIE Modol Grève l'a dit, il déjà chita parlé à diverses organisations qui ont habitué bataille dans la région. Dans le jour qui a venu, il y a pris la rue pour forcer le gouvernement à corriger le budget. Ramikos appuie grève là, parce que nous même c'est dans le camp peuple à nous. Et puis, toute organisation nous a rencontré là pour rester mobilisé pour nous faire gouvernement entendre la raison. Nous lever pour nous dire ça qu'a fait en d'un pays en pas bon pour nous dénoncer budget ça. Grève là, non seulement paralyser le secteur transport, mais tout l'école yo, au niveau Balatibonite, puisque en pile l'école privée en groupe public, pas arrivé à fonctionner pour lundi 18 septembre 2017 là. Balatibonite Saint-Marc, Mille Saint-Madeus, Kiskeya. Merci de nous parler dans la Tibonite côté président Fédération Transporteur la Tibonite yo, et Zer Joseph. Et dit satisfait de Jean Grève la passée, d'après sa correspondant nous, José Jean-Baptiste fait nous connaître. Mode de grève secteur transport a été lancé sous tout pays hein, pour demander président République là retourner sous loi de finances 2017-2018 là respecté en partie dans 4e ville pays hein, journée lundi 18 septembre 2017 ça. Président Fédération Transporteur la Tibonite là remercier tout chauffeur qui ont façon ou bien l'autre té poté collé pour grève ça réussite. D'après ça Edzer Joseph dit journée grève ça c'est un avertissement envoyé par l'état central qui doit agir vite pour corriger budget ça qui pas dans avantage masse peuple haïtien. Président FTA dit Fédération Transporteur a pas bail les gains dans mouvement ça. Aujourd'hui à son journée qui réussit à travers tout pays là donc son journée qui réussit donc chauffeur observé grève là ont été la caillou donc au niveau voilà c'est quelques camionnettes qui essayaient prendre la rue mais pour distance pour transport longue distance on arrivé au cap on arrive Port-au-Prince et autres donc chauffeur ont observé et journée générale grève là. T'as demandé à l'autre chauffeur ça pour toujours été solide parce que donc on licence pas comme pas qu'a payé 1000 gouttes pour journée aujourd'hui à passer dans 10 à 15 000 gouttes. Donc c'est trop. Donc ça, nous ne pas prendre le gouvernement. Nous demandons pour que je sois capable de recorriger Kael, réviser Kael, parce que ça, pas de monde qui prend. Matique de la PAC a sorti dans le niveau 150 à 300 gouttes pour monter dans 1000 gouttes de pique. Donc ça, ce n'est pas possible. Président Fédération Transporteur la Tibonite a décidé de passer une autre phase dans le mouvement ça. Si toutefois, chef de l'État n'a pas répondu à la revendication qui c'est budget 2017-2018 là, qui n'a pas qu'à digérer. Et Zé Joseph. Non, je vous dis à son grève d'avertissement. Donc, si on ne pas retourner sous décision, à savoir publier loi financée 2017-2018, là, donc c'était à l'époque après je vous dis à pour faire évaluation et comme ça qu'on adopte l'autre position populaire pour être capable de forcer le gouvernement à tourner sous décision. L'école, commerce, bureau l'État, camionnette et taxi moto, yo tout yo te fonctionné, yo pas de chômé, journée 18 septembre ça. Gonaïve, José Jean-Baptiste Kiskeya. Merci, nous parler dans Tigouave, côté René Innocent de Grange, pour dire comment grève la t'est passée.
Mouvement grève syndicat chauffeur a été lancé pour journée lundi 18 septembre nan, respecté à 80% dans commune Tigouave. Quelques écoles t'ont ouvert porte timidement, en plus l'autre t'est resté fermé. Transport public et commerce t'est paralysé. Quelques citoyens qui comptent budget 2017-2018 là, saluent courage population qui t'est mobilisé pour rendre journée grève là réussi parce que d'après eux, son budget qui prend tout pisi masse défavorisé. Pour nous féliciter population qui vraiment et répond avec mobilisation contre budget criminel gouvernement. Nous remercions la population, à toute organisation syndicat qui a lancé grève là. Donc, je dis à nous dire merci et respecter mot d'ordre. Nous avons signalé dans Tigouave un ensemble de mobilisations qui a annoncé dans le jour Cap Vinio contre la finance 2017-2018 là, parce qu'ils estiment le budget ça pas répondre à la réalité de la population. On est innocent de grand Tigouave, Radio Kiskeya. Merci syndicaliste Carlo Napoléon qui c'est une syndicaliste qui t'a lancé mot d'ordre grève là fait passer dans studio pour annoncer et mot d'ordre grève là levé t'es parlé comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Nous juste passé dans radio Kiskeya comme on connaît aujourd'hui nous t'ai lancé dans journée de grève générale et il fait 4h combien minutes là nous passer pour nous remercier toute population hein, et tout secteur privé pour tout le monde, chauffeur camionnette, chauffeur taxi moto, la population en général, pour support que vous avez porté avec journée grève, jeudi 18 novembre que nous avons lancé, le 18 septembre sur tout le pays. Nous constatons que la grève là, elle réussit plus qu'à 100%. Et nous disons c'est une preuve que la population dit avec le gouvernement qu'elle n'est pas d'accord avec la loi financière, c'est une preuve que la population dit qu'elle a sanctionné le gouvernement. Et c'est peut-être ça, nous dit tout le monde, merci en pile, et à partir de la fin de déclaration, ça, grève là, l'élevé, tout le monde mette vaquer à l'occupation, nous, pour aller chita pour l'autre mot d'ordre que nous gagnons pour nous à le planifier si président pas attendait pour lui rentrer vieille loi macabre vieille loi pété fielza si lui pas attendait pour le rentrer eh bien nous gagnons l'autre mobilisation que n'a fait nous dit population merci lui mettre rété mobilisé nous dit chauffeur mobilisé quoi au fait aujourd'hui et tout le monde en général mobilisé merci en pile et chapeau bas pour eux puisque nous avons ces volontés ils ont fait grève la réussite à 100%. Voilà, syndicaliste Carlo Napoléon, monde syndical haïtien qui t'a parlé comme ça, mot d'ordre grève là, levé c'était un seul jour et grève là. Et justement, nous parlons qui gens ça était dans quelques zones, d'abord à Robinson Henry et qui va parler qui gens transport public là, activité l'école, business t'est bloqué net dans commune Kafou à zone Mariani et même gens ça t'est fait à plusieurs côtés dans zone métropolitaine. T'es gagné et motocyclette qui est disponible, ben ça qui était rare, je dis, c'était passager. Un reportage au Benson Henry. Les 6h du matin, il y a un groupe monde qui prend l'activité ou obtient une machine dans la station Carrefour la ville Bochette 97 là. Alors qu'il y a aucune machine publique pas présentée dans la station ça, qui tout près station Saint-Charles là, qui blanche Coucoton. Situation ça a été même genre pendant toute journée. Ça qui était obligé en partie dans monde qui t'a pralmen l'activité yo retourner la caillou alors que gen passager qui t'est monté en bizine te service l'état qui t'est fait on paraître dans zone là même machine privée pas tant pile sur route là les dons Jean-Claude un citoyen commune Kafou qui courait mouvement grève là mandé chef l'état fait bac sous publication loi finance là grève là encore un deuxième avertissement qui montrait président il doit gen font choix avec la majorité. Ce n'est pas un choix avec minorité. Donc si le président n'a pas choisi de voir la majorité qui a souffri, côté que nous avons toute connotation que le gouvernement mensongère a baissé sur le budget, que ce n'est pas comme économiste, démentir et prouver que tout le monde a dit que le gouvernement a baissé. Il faut que Jovenel Moïse retourne sur le budget. Il faut qu'il tente de voir la majorité. Il faut que ce n'est pas le peuple pour chercher tout busy pendant ce temps qu'on compte pour l'aider. Si on bouvait les chauffeurs motocyclettes te mobilisé sur route Kafou avec Mariani pour transporter les passagers, c'est des trois graines parmi eux qui te jouent à faire à cause d'un pile monde pas de prendre la rue pour plusieurs business avec majorité l'école yo t'était fermé pas de gain élève l'école dans la rue
Un jeune garçon qui a préparé téléphone pour centre sportif qui a déclaré budget parlement voté a pas dit tout avantage si la qui peut faire bio. Nous même qui dans masse peuple là budget a pas en faveur nous calculons bien on grelle mon dans tout pour payer taxe ou même malheureux bon mais ça m'a fait après j'ai téléphone mais on y a l'autre dit taxe payer les mon pas acheter téléphone dans maison qu'on y a là il dérange il va pas gagner comme pour le bon manger moi Jovenel Moïse comme étant que président moi il a dû renoncer avec budget et puis admettre faire toute barre retourner dans l'autre. Akashi Xavier un citoyen qui pouvait coller à Grévisio critiquer déséquilibre à augmentation taxe qui gagne en budget. L'obga de 42 milliards goud affecté directement dans bagayole caisse noire qui égale à 14% budget. Ça c'est exagéré. Par rapport à combien mettre pour santé et par rapport avec combien mettre pour reconstruction et frais de fonctionnement pour le parlement haïtien, ça sont l'autre situation d'exagération. Ou pas qu'à faire ça à un pays pauvre. Haïti pas qu'à reproduire tête ni de manière économique. Nous devons connaître pour aller peu à peu avec le pays d'Haïti. Nous demandons le président pour sursoir sur le budget. Parce que j'ai autant acclamé là et qu'on s'en a poussé de l'heure. Ça n'est pas taxé. Ça est surtaxation. On ne peut pas taxer comme ça. Un jeune businessman dans la commune Carrefour dénonce la loi finance là. Pendant le mandat chef de l'État vini avec un budget qui cadre avec intérêt majorité population. Pas étant rien dans le pays encore pour Jovenel détruit. Donc nous demandons président Jovenel ressaisir, faire back ce budget. Modèle budget ça, il n'y a pas qu'à répondre à des idées à ta jeune garçon, jeune femme. Imaginez, moi-même je dis à moi que j'ai fait grève, business moi fait grève, parce que m'estimer que le budget ça, il pourra le détruire pour me faire patate pour moi nous le business. C'est bien cher, monsieur. C'est bien cher. Ça n'a pas qu'à aider moi-même pour me sortir dans sa mienne. Faut monsieur Jovenel pour ton budget qui potable pour jeune garçon, jeune femme capable pour marier dans pays. Après gros mouvement levé campé 12 septembre passé, c'est deuxième gros signal catégorie moun qui pas d'accord avec budget 2017-2018 là, voyé par président Jovenel Moïse à travers mouvement grève général ça pour exiger pas publier loi finance Jean le présenté là dans journal Moniteur. Robinson Henry, Radio Kiskeya. Merci Robinson, il a dit que tout le coup ça n'a pas découvert là, peuple ça que un peu de monde bon des monde conservateur qui parle avec mépris. Donc qui ça peuple là qu'on a fait budget. Et puis n'a regardé nous peuple là apprendre ba yo le budget, connaît ça lié. Faut pas oublier les informations à bail, les a fait séminaire formation, gens que Woro fait là, gens que professeur De Roche fait et gens que Edouard Paul fait sous question budget tout monde ça et professeur Camille Chalmers ça ça été dans tête pour nous on apprend petit petit c'est bonjour yo ramasser ba yo vinn gagner et yo vinn développer capacité yo et surtout là yo gagne intérêt directement dans question ça yo tant que a fait business yo connaît très bien qui ça gagne dans budget et d'abord quand rentrer dans chaque article quoi qu'on gagne des monde qui dit article 291 été fait peuple à voter constitution. Mais c'est déjà un progrès par rapport à toute connaissance pas jamais gagné de question ça au moins j'aurais yo t'ai ouvri yo t'ai attentif parce que faut que l'homme on a fait commentaire faut qu'on dit un peu qui t'ai un peu gagne des bagailles et l'autre dit yo qui très grave oui mais sous régime dictature du Valier ça a été qu'on reprocher radio qui t'a fait information créole qui te permet peuple la vienne connait gagne l'autre pays qui existe gagne dictature même j'ai tant que Idi Amin Dada tant que Somoza. Et puis, il y a comparé à la dictature, te gen, et que peuple dans le pays, ça a levé campé. C'est pas comparaison d'informations que tu as fait. Et bien, tu as un gros ministre intérieur qui a un cochon gras. Il était vexé d'être ça, d'après avoir l'allé, et 7e section cochon gras dans Jacques Mel. Et puis, qui ça a joué, un paysan qui a parlé de Idi Amin Dada, qui a parlé de Somoza. Et il était rendu à Haïti responsable, il était convoqué les gens pour ça, d'après avoir, parce qu'il n'y a pas les créoles qui fait peuple à comprendre ça. Au lieu de t'être content pour le peuple, lui, à travers radio, a cultiver la ouvrir l'esprit la pas prendre des bails pas montrer dans l'école oh ministre santé bon avec coucon il demande que fermer radio Haïti pour ça parce que n'a pas les créoles n'a fait peuple et mais je dis à l'an de grâce 2017 dans des monde qui a vexé dans pouvoir qui a dit comme ça oui qui colle peuple qu'on parle de budget et c'est manipuler peuple là c'est ça. Journée grève secteur syndicat transport est arrivé bloqué complètement toute activité dans zone capitale là qui c'est commerce qui c'est l'école qui c'est transport qui pas fonctionner et dans zone de Oswald Duron rue Saint-Honoré Portail Léogane magasin de l'État Bicentenaire Kwabosal La Saline Cité Soleil et zone qui toujours gain gros activité depuis le jour t'es blanche.